Connected. N'hésitez à me dire en tant que pour nous sonner. Channel switched. Microphone muted. Microphone activated. On va enlever ça. Microphone activated. Pff. Ouais, mon Titou. Je déposais une cliente là, donc je t'ai pas répondu tout de suite. Ça se passe bien pour toi? Bah écoute, ce soir il y a beaucoup de monde, il y a aucun VTC, aucun taxi, alors j'ai plutôt pas mal de boulot. Gueule, on s'en fout des autres, tant qu'il y a la meilleure, tout va bien. Eh bah oui, mais du coup j'ai beaucoup de boulot. Mais merci Titou, tu me donnes toujours confiance en moi, heureusement que t'es là. Moi je parle de toi à tous les gens que je croise, hein. Je dis à tout le monde que mon frère, il est médecin à l'hôpital. Hein. Oh, pas besoin de faire de la pub, les vagos ils sont en train de descendre la moitié de la population, donc je suis plutôt tranquille de ce côté-là. Oui, bah là, écoute, j'ai eu un monsieur dans ma voiture qui m'a expliqué qu'il avait eu... Il avait été dans le coma 3 fois. Mais qu'il t'avait pas rencontré. Qu'il avait rencontré d'autres, mais pas toi. Non, bah, il s'est fait tatam bam bam dans la gueule ce soir, je viens d'arriver. Ouais, d'ailleurs il y a du mouvement ou pas, il y a de la... Je sais pas, je viens d'enlever le falzar. Je vais seulement mettre la chemise. Donc je te dirai ça plus tard. Ah, les premières missions qui commencent à arriver, je te laisse arrêter. Allez, salut. Des bisous. Hein. Bisous. Forcément, si je me loupe d'étage. Pourquoi j'ai des voix Toki immonde? Bien le bonjour, patron! Je pense que vous me confondez. Hein. Oh. Ah non, effectivement, j'ai vu des cheveux soyeux, je me suis trompé, excusez-moi. Docteur Travel pour vous servir. Vous êtes nouveau? Ah, enchanté, Titon en Martino. Effectivement. Ah, on m'a parlé de vous. Ah, c'est... On m'a parlé de votre arrivée, en tout cas. Ah oui, d'accord. En bon ou en mal? Bon, on m'a juste dit que vous arriviez pour l'instant, j'ai pas eu d'infos. Ah oui, d'accord.
Bon bah, ça me convient comme cela pour l'instant. Ça sert à rien d'avoir des casseroles dès le premier jour. Quelle est votre spécialité, Titouan ? Oui. Donc vous ne pouvez pas m'appeler Titi parce que ça c'est pour ma sœur Vava. Ah. Ouais, pas de soucis. Ma spécialité, j'ai toujours une bouteille d'eau pour les patients. Ah, c'est déjà pas mal. Écoutez, continuez sur cette voie. Non, parce qu'avant, moi ce que je soignais c'était des tracteurs et des vaches, donc rien à voir. Ah, bah, même ça pour ça, l'eau ça marche pas des masses. Hein. Non, mais ça nettoie les plaies. Bon courage, Titouan. Merci beaucoup. Je retourne aider. Rappelez-moi votre prénom, excusez-moi, j'ai des petits problèmes de. Ah, je suis le docteur Didier Traoul. Ah, Traoul, Traoul, enchanté. Enchanté, Titouan. Allez, super petit cul. Hein. Non, les ordonnances, j'en ai repris. Il me faut. Ah oui. C'est que on fera de la préservation avec les préservatifs. Ouais. Je crois que c'est ça, oui. Trault. Ouais. Ah oui, d'accord, ça arrête. Voilà, ça commence. Les bonnes femmes qui me demandent la liste des courses. Putain. SQJC, moi. Je vais en reprendre un autre. Faut que je regarde pourquoi le Toki galère. Ah, il est peut-être hors de portée, c'est pour ça. C'est Grégoire, un bouquet de fleurs, s'il te plaît. Passe-moi en deux pour le prix de deux. Je sais même pas si ma bagnole est toujours là. Ah oui, d'accord. Attends. Elle dit quoi ? Pollion. Oh putain ! Qu'est-ce qu'il est en train de traficoter ? Qu'est-ce que tu traficotes avec cette biscotte ? Non mais oh, qu'est-ce qu'il est en train de me faire ? Oh putain! Y'a du camtar par ici! Docteur Maison, est-ce que vous m'entendez? Ici Titouan, si je dis pas de bêtises, je les avais entendus genre vers la prison, donc ils sont peut-être hors de portée de nos radios. Docteur Maison, est-ce que vous m'entendez ? C'est pas une raison pour rouler comme un con. Ah. Est-ce que le stream fonctionne bien niveau son, niveau visuel, ça s'inquiète pas et tout ça ? Un peu de RP mais c'est du setting, ça passe. Niveau pixel ? Ouais, ton VTC toi ?
J'ai pas... Ah non, j'ai remis juste Itouan, effectivement. Ouah. À un moment que les gens comprennent dans quel serveur je suis, RPZ, mettre à jour, au revoir. Ouais, je sais que tu regardes sur ma caméra frontale, tu crois que je t'ai pas vu m'espionner, hein? Putain, je savais que t'étais comme maman. Non, mais c'est juste pour ta sécurité, je veux m'assurer que tu vas bien, mon Titou. Bah oui, mais j'ai bien mangé mes cornflakes ce matin, qu'est-ce que tu racontes? Bon, tes fleurs de merde, je les mets où? Bah, tu peux les mettre à la maison, tu sais, on a un coffre à la maison. D'accord, enfin, on a un stockage. Mais ça va faner. Après, là je suis en train de... Ah désolé, attends, je suis désolé, on m'appelle. Je te laisse, des bisous, va. Bisous, Titou. Oui, ici Martino, je écoute et reçois. J'ai besoin de votre aide, venez aux urgences, nous avons un mort à transporter. Bien reçu, je suis là dans 3 minutes. Pas de problème, je le mènerai en salle d'opération pour commencer les retraits d'organes. Il est au courant que je suis débutant ou ça se passe comment? Yo Fab. Qu'est-ce qu'il fout avec les chargeurs la sorate? Mettre un peu de morphine quand même, histoire de... Non, consommation personnelle, hein. Allez, Starsky Hutch. Quand que moi les morts, à part à la télé, j'en ai jamais vu, jamais disséqué. Ouais ouais, t'inquiète pas, la voix elle est comme ça depuis plusieurs heures, voire depuis des années. Ah, c'est... Depuis que je suis gamin, on a l'impression que j'ai une toux. Quand j'étais gamin, on me demandait déjà si j'étais un pédophile. Vous croyez que j'étais plus vieux que le prof? Ouais, c'est compliqué, bordel de merde. Bien reçu, la blousette. Poussez-vous, c'est une urgence. Oh. Je vais lancer entrer parce que... Ouais, si elle me voit, ça va durer longtemps. Alors attendez, on va tricher. Mais c'est pas une place de parking ici, bordel! Non, faire numéro 9. Non mais oh! Casse-toi avec ta poubelle de merde dégueulasse.
putain, c'est le bon jour pour se mettre au sport, bordel. On va couper, hein. Ah oui, d'accord, parce qu'il y a une procédure, vous savez, on fait pas ça uniquement parce qu'on a vu deux épisodes de Dr House. Ah, et on est obligé d'enlever la combinaison avant d'en remettre une. Eh ouais, c'est quand même... ouais. Ouais, c'est chiant. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Ah. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est génial. Bien le bonsoir, patron. Bonsoir, cher ami. Nous avons... Ah oui, d'accord. Monsieur Nino. Vous n'avez pas d'identité. Ah d'ailleurs, je connais peut-être ses papiers, j'ai pas regardé, mais... Il a pas l'air en forme, le bonhomme. Monsieur Sanchez est décédé en fédéral, suite à une altercation, plaie par balle. Ah oui, d'accord, et c'est... Ouais. D'accord, c'est pas des tatouages, c'est des vrais trous. Voilà. Nous allons prélever ses organes. D'accord. Vous allez m'assister pour l'opération, cher ami. Ah oui, mais... Ah oui, d'accord. Disons qu'un Doliprane, c'est peut-être sûrement la meilleure ordonnance que j'ai jamais faite, alors... Alors, vous êtes... Si vous voulez, je dirige l'opération, vous êtes mon assistant, ça marche? Assistons, assistons. Alors, tac. Vous voyez, donc là, juste ici. Ah oui, d'accord, là. Au niveau des reins, voilà. Là, je fais une suture, enfin, je prends le scalpel et j'ouvre ici. Ah oui, bah oui, oui, c'est bien ouvert, on peut mettre la main, donc oui. Exactement, tout à fait. Vous prenez les écarteurs, là, juste là. Voilà. Ah oui, d'accord, pardon. Vous en posez deux. Là, normalement, vous avez accès à un rein. Et une fois que vous êtes aussi de l'autre côté, alors là, vous voyez ce petit geste un peu swat que j'ai, c'est un peu le dépanneur du dimanche, quoi. Vous voyez, c'est une petite... Oui, d'accord, il faut... Oui, d'accord, oui, mais c'est... À vous de voir, cher. On a le swag, on ne l'a pas, vous voyez. Ah ouais, mais bon, déjà vous avez la moustache, c'est quand même compliqué d'atteindre votre niveau, hein. Oh, écoutez, je ne gagnerai jamais votre coupe mulet, cher. En termes de taille, non. En termes de style aussi, cher. Apparemment, j'ai pas été beaucoup mécano le dimanche dans ma vie. Bon, inquiétez pas, cher ami, y'a pas de soucis. Alors, hop. Là, vous voyez, là, on a accès aux deux rangs, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez tenter le coup. Là, vous vous rappelez votre petit manuel? Ah oui, le manuel, bah, de toute façon, il n'y a que le manuel que je connais, hein. Voilà, donc, allez-y, regardez dans le petit manuel comment on retire un organe. Oh, c'est dans la section véhicule, c'est ça? C'est plutôt un charme, hein, c'est... c'est les débuts, hein, c'est compliqué. Je comprends, cher Miguel. C'est dans le chapitre menu médical. Ah oui, ah bah oui, c'est qu'on fait de la médecine, oui, pardon. Tout à fait, cher. Enfin, un peu de la mécanique, vous savez. Peut-être même de l'architecture, hein, regardez. Ah, c'est bon, je vais l'anesthésier. Vous avez l'anesthésie? Non, c'est... C'est des organes, cher ami. Organes. Ouais, peut-être pas se souffrir, le bonhomme, quand même. Bah oui, il est mort. Ah oui, d'accord. Ah oui, il est mort, cher ami. Il va pas vraiment souffrir. Ah oui, effectivement. Oui, tout à fait. Alors, par ici. Ok, et il suffit de prendre. Là, non. Vous prenez les deux reins. Allez, d'accord. Vous prenez les deux reins. Ne vous inquiétez pas, j'ai mis des boîtes à côté. Des boîtes réfrigérées. Voilà. Oui, pardon, j'ai fait tomber, excusez-moi. Attendez. C'est pas je ramasse les morceaux. On mettra un peu de désinfectant, c'est ouais. Vous avez pris les deux reins? Non, il y a le deuxième qui est tombé aussi. On va passer la balayette hein, plutôt que le scalpel. Hein. Vous inquiétez pas, cher ami. J'appellerai les femmes de ménage. Vous inquiétez pas. Voilà. Donc, une fois que tout est fait, on va tout refermer là, on va tout suturer. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est. Je. Oh putain. On continue.
Faut reconnaître que c'est quand même. Faut quand même que c'est, reconnaître que c'est un métier d'homme. Hein. Mais disons que la brûlure au troisième degré, la soudure au TIG, c'est normal. En fait, ça ressemble à la soudure, mais en fait c'est un appareil, c'est un stylo à cautériser, cher ami. Ouais, moi aussi j'ai un gros stylo, mais il fait pas des étincelles, hein, c'est dégueulasse. ça sent un peu le cochon grillé, mais c'est normal. Donc. Ah oui, d'accord. Hop. Là, nous avons accès au poumon. Ah oui, attendez, maintenant, moi aussi le dimanche, je sais dépanner. Ah bah, on va en. Écoutez, continuez. Je vais prendre ça. Oh putain, j'ai fait tomber le poumon aussi. Voyons, décidément. Oh mon dieu, le deuxième aussi, c'est. Oh putain, c'était les couilles que j'ai pris, chef. Ah, j'ai retrouvé les reins, ils sont encore dedans. C'est l'émotion de l'opération. Ah oui, c'est compliqué, faut avoir les reins attachés. C'est un coup à se faire couper le souffle. Sans son poumon, vous voyez. Je voulais pas votre niveau d'humour. J'irai faire mieux, je suis désolé. C'est là. Alors, attendez. Il vient de cligner des yeux. Non, non, c'est un spasme, vous savez, c'est l'espace. Il a beaucoup de spasmes. Eh oh, hey, oh, du con. Tu veux du Kenji Chirac? Vous dites ça parce qu'il est latino, c'est ça? Ah non, c'est que c'est de la merde. Donc il aurait soit dit oui parce qu'il a des good shots, soit il aurait dit non parce qu'il voulait pas entendre cette merde. Oh, en effet, oui, c'est pas bête. Ah, très bonne idée. Ah, infaillible. Ah, j'ai débusqué des cartels comme ça. Enfin, des cartels de. Ils piquaient du lait à la supérette, mais ces petits cons, je les ai bien chopés. Une petite tech dans la gueule de fer neuf. Oh, c'est bon. Jérémy, comment il faut faire ça? Ah, j'arrive plus à le rhabiller. Il faut les vêtements. Ah, peut-être. Ah, oui, d'accord. Non, attendez, claquer de chaussettes? Ouais, non, déshabillez-le, patron, hein. Je pense que ça vaut mieux pour le passage dans l'au-delà. Là, c'est... Ouais, je pense qu'on va faire ça plutôt. Oui, on va bien le palper. Mais... C'est permission de le mettre en peignoir. Il sera quand même plus à l'aise pour la traverser. Ah, c'est le peignoir à DSK, chef. Vous êtes trompé d'armoire. Oui, mais... Ah, mais non, mais je sais pourquoi, cher ami... Il est moi aussi, je peux palper. Oui, vous pouvez palper, mais en fait, ils l'ont laissé que la pute fédérale. C'est pour ça que je n'ai pas ses vêtements au bout. Ah oui, d'accord. Malheureux, pauvre malheureux. En tenue fédérale, le bout. On va le transporter à la morgue. Ah oui, à la main. Ah non, sur le brancard, là. On prend le brancard, puis on le déplace. Okay. Ah oui, attendez, j'ai passé dans le manuel, là. Non, regardez. Vous êtes prêts? Allez, 1, comme ça. 1, 2, 3. Hop là. Allez. Quoi? Hop. Hop. Ah, je pense pourquoi. Allez, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors, je vous aide, mais je suis derrière là. C'est bon. 1, 2, 3. J'ai le mollet. 1, 2, 3. Allez, courage, fiston. Bon. C'est donc ça qu'on appelle une passe décisive, patron. Alors désolé, copain, mais la porte elle gêne un peu. J'avais dit de faire agrandir. Oh putain, là j'ai une idée formidable.
Mettez-le sur le lit. Ah oui, d'accord. On est d'accord que si j'active mon muscle hélicoïdal de E, c'est pas. Moi qui... Ah oui, voilà. Non, voilà. Mettez-le juste près du lit. Voilà, formidable. Va-t'en, les escortes. Alors, attendez. Monsieur, regardez. Je vous désescorte. Comme ça, en fait. Voilà. Comme ça, en fait, regardez, hop. Et là, ah oui, d'accord. On cite, on peut... Voilà, il est sur... on a déplacé sur le lit. Et maintenant, 1, 2, 3. Ah, oui. Allez, maintenant, il est sur le brancard et on y va. Allez, on y va, hein. Non, pas besoin de l'escorter, vous savez, le brancard, ça marche. Ah oui, d'accord, télécommande, tout ça, tac, tac, bang, bang. Ouais, voilà, formidable. Vous avez tout compris, Charlie. Quand même pratique, cet espace, non. Ça permet d'être plus rapide à la morgue. Vous avez vu. Hop. Alors là, malheureusement... attendez, ok, Google, mets-toi sur le tapis. Par contre, je suis en deuxième pièce. C'est bon. J'ai dit ok Google parce que je pensais que c'était le service public, mais en fait c'est Siri, excusez-moi. Siri, mets-toi sur le tapis. Bah il est en vie, on a réussi. Bon, par contre, désolé monsieur, on vous a peut-être sauvé, mais on vous a pas sauvé du mauvais goût, hein. Claquer de chaussettes, c'est quand même pas tolérable, on pourrait vous foutre en tôle les connards comme ça. Alors, malheureusement, les morts ne parlent pas, je suis ami. Ah oui, d'accord. Oui. Oh, Seigneur. Ah oui, bah Seigneur, il faut appeler un prêtre pour ça. Bon, je propose qu'on laisse Spider-Man. Non, mais. C'est bon. Ah oui, plus bon, ok Google. Tu fais. Non, pas toi. Pas celui-là de Google. Tu t'assois et tu te calmes. Alors là, vraiment, une petite PLS, c'est assez suffisant, vous voyez. Ah. Ouais, voilà, ça sera. Alors ça, je m'y connais, petite PLS, j'ai l'outillage pour. Ah non, cher ami, non. Pardon, allez, on part pitié. Ah, on n'est pas offert d'œuf ici. Ah bah, si vous avez autre chose. Voilà. Non, allez, bouge pas. Bouge pas, Gaba. C'est bon. Ok. Eh, de bon temps, c'était quand même plus simple de niquer quelqu'un. On peut en faire, mon fils. Amen. Oh, c'est bien. T'es un con, salvez-moi. Ah, encore des spasmes. On m'avait prévenu que ça tenait pas en place les cadavres, hein, mais là c'est quand même chaud. La prochaine fois, est-ce que le cadavre peut nous passer les reins directement? Ça nous évitera de nous casser les couilles avec la soudure. Je pense qu'on va devoir le laisser. Moi je peux. Moi je dis, pour des problèmes d'exorciste comme ça, il faut un prêtre, de l'eau bénite et surtout un bon paquet d'essence. Hein. On fait cramer tout le secteur. Je parlerai le pasteur Morgan demain par rapport à cette histoire de. Exorcisme. Allez, on va y aller, cher ami. Venez. Moi je vous suis patron. Laissons les morts se reposer. Mais quand vous dites reposer, parce que. Là, on est quand même plus proche du RTT qu'autre chose, hein. Ah, c'est le regret anticipé, même j'ai envie de vous. Ah, oui, d'accord, effectivement. Ah, oui, d'accord. Ah, oui. Par contre, je vais faire un passage de frigo parce que moi je me trimballe toujours les deux reins depuis tout à l'heure. Oui, rangez les reins au frigo, cher ami. On met tout ça. Non, pas... Alors d'ailleurs, cher ami. Oui. Je dis ça avec le sérieux le plus extrême. Mais m'excusez, je ne voulais pas vous embrasser. Non. Votre moustache m'attire. Ne les. Je sais, cher ami. N'utilisez jamais les organes. Ben, vous voulez que j'en fasse quoi, Rubik's Cube? Les bouffer.
Ah oui, d'accord. Bah écoutez, j'avais pas de créneau pour ça, mais donc ouais, effectivement, je vais rester comme ça sans planning. Hein. Soyez précautionneux quand vous allez les ranger, d'accord. Je veux pas que les couilles arrivent, c'est pour ça. Non, perdu, c'est les reins. J'ai pas les couilles. C'était une petite blague goudette de tout à l'heure. Pardon, excusez-moi, je suis tout souvent du quatrième degré. Voilà, formidable. Et hop, au frigo. Formidable. À côté des bières, vraiment. C'est bon, il y a l'étiquette, normalement. Ah oui, d'accord. On va le faire. Voilà. Tant qu'on ne confond pas avec le menu de Pierre, c'est bon. Bon, effectivement, c'est quand même agréable d'avoir la raie sillonnante, mais c'est quand même dérangeant pour travailler. On est d'accord. En plus, j'aime beaucoup quand même, c'est très précis ici. On est obligé d'enlever le falzar pour pouvoir en mettre un autre. Hein. Toujours. Il faut propreté. Propre, oui. Ah, propreté propre, oui, effectivement. Fait pas plus soyeux. Vous ne voyez pas d'inconvénient, j'ai adopté la chemise rouge. Elle va bien avec mon teint et mon mulet. Alors oui, c'est la chemise de la direction, mais... Ah oui, d'accord, ah, pardon. Non, mais allez-y, gardez-la, cher ami, gardez-la. C'est un honneur honorable. Non, mais voilà, elle vous va ravir, donc... elle va fort bien avec votre coupe mulet, donc... le rouge, ça allonge le mulet. Exactement. Non, mais gardez-la, cher ami, ça vous va ravir. Formidable. Bon, sûrement des vies à sauver, des ordres dans sa affaire... Pas tout à fait. Des fers neufs à distribuer, enfin voilà la routine. J'ai pas un seul instant, cher ami. Est-ce que ça a été homologué le fer neuf en test de réflexe? Alors écoutez, même si c'est une technique nouvelle, vous pouvez très bien l'utiliser, cher ami. Ah oui, d'accord. Comme je l'ai dit, moi j'utilise en anesthésie donc. Ah oui, on est dans la... Oui, d'accord, on est à la pointe, c'est la médecine expérimentale, en fait. Attendez, je vais juste vérifier un truc. Vous avez beau avoir une canne, moi je suis tellement boursouflé d'à peu près partout que je suis quand même plus lent, c'est dégueulasse. Non, j'ai rien vu ça. Ah, oui, répétez. Excusez-moi, dans ta maison, excusez-moi. Pas de problème, ça me donne faim toute cette connerie, moi, quand même. Je t'en prie. Je vous conseille d'ailleurs de... Alors, on a eu quelques soucis avec ça, mais... Il y a quelque chose... Normalement, c'est tout ok. Là, il y a juste une mauvaise sortie. Rangez bien... Alors, on a maintenant des SUV. D'accord? Oh putain! Voilà, on a des SUV médicaux, donc de couleur rouge, gyrophare, etc., que vous pouvez utiliser pour aller sur les appels, voilà, si vous le souhaitez, ou faire des petites tournées. Par contre, je tiens vraiment à pousser ça parce qu'on nous a volé un des SUV parce que nos collègues n'ont pas fermé les véhicules. Donc pensez bien fermer les véhicules. Sérieusement ? Oui. Pensez bien fermer le véhicule, d'accord ? Et pensez bien, quand vous n'utilisez plus, à le ranger dans le garage. Ainsi que les ambulances et tout, d'accord ? On est bien d'accord. Voilà. Mais on nous a volé notre... C'est terrible. C'est terrible. Bah, de toute façon, moi j'ai toujours la clé avec moi. Mauvaise poche, excusez-moi. Pardon. Ravi. Non plus, je suis ravi. La soirée a-t-il été mouvementée dans la mouvementation? Oui. Très très mouvementée là. Je vais pas vous mentir, je vais aller me reposer, je sens que je fais un burn-out. Encore une fois, patron, c'était une blague. Hein. Les burnes, elles sont toujours là-haut à coger sur le cadavre. Hein. Je vais aller voir Dimitri s'il a quelque chose à me dire là-bas, histoire que je me calme un peu. Très bien. Vous avez le numéro du docteur Traoul? Négatif. Alors, je vais vous le donner. Ah oui, je vais bien. C'est un collègue? Ah oui, docteur, oui, c'est dans le titre. Ah, m'avait eu. Excellent. Non, m'avait eu. C'est le 0154. Attendez. Parce que, ouais, technologie. 0154. Zéro à 54. Zéro un
54. Ouais. Traoul. T-R-A-O-U-L. Docteur, c'est ça? Traoul. Voilà. Comme ça, si vous voulez joindre par téléphone. Et sinon, vous avez les fréquences radio sur notre, notre petit onglet LSMS. Ah oui. Sur notre petit serveur. Vous voyez. Mais non, voilà. Pourquoi les... ça a changé? On s'est fait. Bah non, la radio, c'est toujours 323.2 et 343.4. Ah oui, 3-2-3-2. Voilà. Et 3-4-3-4. Ça se réinitialise, les radios se réinitialisent tous les matins à 6h. Ah oui, d'accord. D'accord, voilà. Mais par contre, vous inquiétez pas, ça s'est noté dans LSMS Information. Ah oui, c'est vachement pratique ce système quand même. Voilà. Allez, je vais aller me reposer, chers collègues. Ah, je vous souhaite une bonne et agréable reposade. Merci. Et bon courage. Je vais faire de la prévention à coup de préservatif, tu vas voir. Je vais faire des ballons, ça va faire marrer les gosses. Ça vaut ni ce type, cher collègue. Oui, docteur Maison. Non, je prends le docteur. Non, j'entends pas, excusez-moi. Je prends une fin de service, cher ami, bonne soirée. D'accord, bonne soirée. Vous allez bien, docteur Maison, vous êtes sûr? Tout va bien, cher ami, je vais faire un gros dodo. Très bien, je vous souhaite une bonne nuit, docteur Maison, bon courage. Merci à vous. C'est dur. Ah non, c'est pas l'en plus. Ah ouais, un peu sur le terrain. Oh mon dieu, il est mort. Mais y'en a qu'un seul, c'est de la merde. Allez en pharmacie directement. On va faire du tut avec. Bien bonjour, très cher collègue. Je comprends, là c'est mal fait, c'est dangereux, je l'ai appris en médecine. Bon alors, faites-moi voir tout ça. Wow, en vrai, c'est mieux qu'il y ait marqué quand même sur ma gueule. Après, j'ai quand même quelques remords, enfin quelques questionnements, questionnades. Est-ce que j'ai le droit de mettre les teutons pour aller chercher les trucs à la pharmacie? En vrai, ça me saoule, oui. Je me suis posé la question super longtemps. Oh bordel! Bon bah demi-tour.
Allez, on se dépêche. Ah oui, non, il faut regarder l'ambulance dans les yeux, sinon ça n'arrange pas. Parce que les clés, c'est uniquement tout droit. C'est Gérard. Ah oui, d'accord, j'ai cru qu'il allait se faire massacrer par la porte. Allô ? Oui ? Venez. Bonjour, messieurs, dames. Est-ce qu'on peut vous aider ? Un magnifique mulet. Ah, merci beaucoup, cet homme sait repérer le bon goût. Bah, qu'est-ce qu'ils foutent ? Ah oui, d'accord, ils sont barrés. Docteur Cox, est-ce que vous êtes encore en ligne ? Oh, bah, c'est... Non, non, je repasserai à l'Oka, c'était un petit peu une folie du moment. Très bien. Ah, formidable, ah oui, c'est pour ça qu'il repassait, très bien. Par contre, j'ai quelque chose à vous demander. Bon, désolé, hein, désolé de fumer dans l'établissement, mais est-ce que vous pouvez me dire si c'est... Est-ce que vous pouvez me dire si c'est normal, cette démarche ? Oh putain ! Il a les bras bloqués. Je me déboîte là. Attrapez-le ! Mais non, pas du tout, mais regardez ça ! Et les gens... roule le cul comme Jaja. Alors attendez, je me suis démis un truc. Vous aimez la médecine expérimentale, monsieur ? Ouais. Sinon j'ai un test de réflexe pour vérifier l'état de vos bras. Au fer neuf. Mais vous êtes des grands malades, c'est quoi ? C'est le nouveau champion, ça ? Excusez-moi, on fait de l'humour un peu ici, c'est de la médecine préventive. Ah, très bien. Très peu de contact avec ouais, la médecine préventive, c'est de pas fumer vos clopes qui durent 3 heures ici. Putain, y'a vraiment plus aucun respect. C'est lui là-bas, le mec qui fait des signes. C'est lui là qui fait des signes, franc-maçonnique, qui m'a donné ça. Attends, Didier, tu donnes des clopes aux patients, Didier, tu veux qu'on te latte la gueule, putain. L'eucalyptus, mais je sais pas ce qu'il a, je sais pas pourquoi ils font ces espèces de dabs inversés. Non mais. C'est une quenelle, hein, faudra peut-être se méfier. Mais vous avez vu votre eucalyptus, monsieur ? Votre eucalyptus vous fait tourner le boule, c'est pas normal. T'as mis quoi d'autre, Didier, dedans ? Ouais, réponds pas quand je te parle. Moi j'étais pas là, j'ai rien mis du tout. Très bien. Mais ces signes étaient la mode en 38. Comment ça ? Ah oui, probablement. Très, très démodé. Oui, c'est pas... Alors, écoutez, j'ai un appel d'urgence, Johnny. Je vous laisse là. Trop de sociétés secrètes dans cette ville. Très bien, bon bah c'est pas grave. Hein. Non, c'est pas... Non. C'était qui le collègue là ? C'était Trault ? Collègue, tu veux prendre laquelle alerte ? Ah, je pense que c'est les deux mêmes, je vais pas te mentir. Hein. Ah oui, d'accord. Ah, je vais aller voir, mais je t'avoue que je suis pas certain de savoir où est la salle de réveil. Je crois qu'elle est à l'étage, pas très loin. Ah ouais, je suis une à carte, moi. Alors, à mon avis, les urgences. Urgence, excusez-moi. Ouais. Par là-bas, collègue. Bien le bonjour, monsieur. Et... Alors, j'étais en fédéral, enfin en prison. Ah oui, d'accord. Et le problème, c'est que j'ai pas de téléphone et que je me suis fait tabasser. Venez, on va se mettre dans un coin un peu plus tranquille quand même. Alors, excusez-moi, mais vous étiez en prison à cause de ça, hein, les claquettes chaussettes. C'est vous qu'on a déposé. Ah non, ça c'est pour la prison, ça c'est ma tenue prisonnier. Ah oh, putain. On va ici, C'est très à la mode en Allemagne. Ah oui, non mais faudrait mettre la prison en prison. Hein ? Nein ? Gros bisou ? Ah, je suis très étonné, c'est un... Gros bisou ? C'est une mode, je prêche rien du tout Dutch, moi. Ah d'accord. Je parle pas portugais, moi. Alors je vous explique. Alors je me suis retrouvé, il y a une autre personne qui va arriver, certainement. On a plus de téléphone. Oh putain, non, regarde. J'ai appris que vous aviez
des cachettes un petit peu secrètes là. Oui, alors... téléphone en prison. Ah oui, d'accord, je crois que tu parles du rectum. Non, on a plus de téléphone. Du coup, on s'est fait tabasser. Du coup, il n'y a pas la police pour nous mettre en prison. Et là, c'est considéré comme une évasion. Ah oui, d'accord. Là, moi, je suis très embêté. Je vais pas vous transporter jusqu'au pénitencier. Nous voulons la police. Je peux essayer de contacter la police. Mais je suis pas sûr qu'ils me répondent. Il nous faut la police. Bon, bah, je... Moi, je vais essayer de soigner le monsieur. Allez, venez par là quand même. On va essayer de voir ce qu'on peut faire pour vos chaussettes. Ah, bonjour, madame. Nous voulons la police. En tout cas, ouais, c'est bien que des petits jeunes comme vous prennent super bien le fait de sortir de prison comme ça et d'être en cavale. Ah, on voulait rester en prison. Oh, pour plus, monsieur, ma souhait. Ah oui, asseyez-vous, allongez, vous inquiétez pas, je vais regarder. Madame, si vous êtes aussi dans le malheur, allongez-vous, reposez-vous. Bon alors, faites voir un peu. Vous avez rien pris, pas de drogue, pas de... rien du tout. Mais... je sais pas comment on dit en portugais, tout va bien. Tout bien. Si, tout bien. J'ai un peu mal comme un malouille. Vous êtes fait tabasser où? Est-ce que je vois un hématome au visage? Visage, coute. Ah oui, la coute. Ah oui, ça fait mal aux pieds. Moi, je veux faire le voyage en bus. pour aller à la prison. Ah oui, d'accord. Ouais, j'ai contacté la police, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde de disponible pour raccompagner maintenant. Mais... Parce qu'un pelle sac poubelle. Bon, pelle sac poubelle. Vous êtes habitué au grand banditisme. Alors, bougez pas, je reviens. Alors, collègue, est-ce que je peux te laisser t'occuper de la dame? Je vais emmener monsieur en salle de radio. Vous prenez une petite voiture et vous repartez tout seul au pénitencier. Je pense qu'ils seront très heureux de vous voir revenir là-bas. La porte, elle est verrouillée. Bah, alors venez, monsieur, d'abord, on va vérifier ses côtes. Levez-vous. Je pense que je me suis fait tabasser en prison. Voilà, suivez-moi, on va vérifier ses côtes si rien qui est cassé. Je voulais aller... Tout va bien, ouais, vous êtes fait taper dans les côtes, voir s'il n'y a pas un truc qui a fait schlag-schlag boum boum. Schlag-schlag boum boum. Ouais, les côtes, vous voyez les... Vous voyez les mikados? Oui. Mais le truc à bouffer, hein, pas le truc de bout de bois et qui pique, on dirait un cure-dent. Si. Eh bah, quand vous prenez un coup sur la côte, ça peut faire crack. Un schlag? Ouais, non mais je suis... c'est des termes techniques. Je vous laisse vous allonger, mon petit monsieur. Tout bien. Ah, très bien, si vous pouviez apparaître, venir, on va essayer une autre salle de radio. Non, c'est bon. Ah oui, d'accord. Bon, je vous cache pas que, à cause du mauvais goût des claquettes de chaussettes, la radio sera pas très nette. Vous oubliez ? Oh, excusez-moi. Ah non, si je commence à lire le chapitre pour vous enlever un rein, vous allez peut-être pas m'apprécier longtemps. Non. Vous inquiétez pas, monsieur, on est des professionnels. Ouf. Alors levez-vous, monsieur. Et marchez gentiment devant moi, comment vous sentez-vous? C'est... on sent qu'il y a un petit peu l'hématome un peu au niveau de la gueule là, qui est compliqué. Donc alors attendez. Je vais vous donner une ordonnance. Mais comme ça même à la prison, ils vous casseront pas les pieds. Dessus, vous avez de la pommade à mettre et un peu... une petite baume pour dégager cet hématome parce que c'est dégueulasse. Hein. Vous allez reprendre des coups de chlasse dans la gueule si on voit que si vous êtes une victime. Hein. Ou bien. Et là, pour maintenant, de suite, nous allons. Je vais vous donner une pommade. Vous en mettez, vous tartinez ça comme le beurre le matin. Et ensuite. Parce que vous m'avez l'air tout palo. Oh bah putain, j'en ai plus. Ah si, excusez-moi, voici une bouteille d'eau. Vous me paraissez tout pâle, c'est dégueulasse. Faut s'hydrater, mon petit monsieur. Ah, question. La dame qui était là-bas, c'est... vous dites bonjour des fois le soir? Non. C'est votre copine? Non. Non? Ok.
C'était pour faire de la prévention pour le site d'action. Je suis Vagos. Moi je connais pas le portugais, donc vous pouvez me dire ce que vous voulez. Et sur... Je suis pas de Portugal, hein. Ah oui, pardon. Si, mais j'essaye de prendre l'accent pour le folklore. Ah oui, d'accord. En fait, vous venez d'Estonie. Non, non, je suis né ici, à Los Santos. Et on m'a dit de prendre l'accent, ça fait mieux. Ah oui, d'accord. Bah, elle est où? Ah oui, question, où est-ce que t'as emmené la dame? La dame est partie dormir pour en salle de réveil. Elle reviendra demain, à mon avis, pour être transportée au pénitencier. Ah oui, d'accord. Elle est en salle de réveil. Disons qu'elle sentait pas bien, donc elle va dormir. Sûrement, elle repartira demain. Oui? Elle a besoin d'une nuit de repos. Ouais. Je peux comprendre beaucoup d'émotions à la traversée. Tout ça, c'est compliqué. Oui, d'accord. Mais moi, je vais retourner en prison. Ah oui, d'accord. Tu confirmes, il y avait personne chez la police? Personne chez la police, en tout cas, qui m'a répondu, je confirme. Oui, juste là, à peine. On est un homme libre. Tout va bien. Ah oui, d'accord. Vous voulez un bilan psychiatrique aussi, monsieur, ou vous êtes sûr que tout va bien? Ah non, c'est bon, tout va bien. Ah oui, d'accord, mais vous voulez retourner en prison, quand même? Oui, bah oui, j'aimerais bien, oui. J'aimerais bien retourner en prison, parce que là, je suis considéré comme un évadé. Disons que des fois on aura pas très du monde contre leur gré. Ça on peut comprendre. Tant que vous faites pas des dingueries, venez au rez-de-chaussée. Voyons voir, alors attendez. Médecin pour police. Appuyez sur le mauvais bouton, quoi. Médecin pour police. Ah oui, d'accord, ça répond pas. On va aller voir au commissariat s'il y a du monde. Est-ce que j'ai les clés? Non, j'ai pas les clés. Ah bah, au moins je vous félicite. Là, au moins, vous êtes vraiment dans le rôle du fugitif. Oui. Là, bravo, là c'est un peu flag quand même. Bon, on va accélérer un peu la cadence parce qu'on a l'impression de se tartiner le fion avec la rondelle de citron. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de vous demander pour. Ça sera plus simple sûrement avec les autres. Vous vous appelez comment? Lenin Johnson. Alors venez aux urgences. Non, parce que si on me demande un peu que je sache et qu'il puisse savoir que Johnson, c'est un mec cool quoi. Ah, sinon il va vous casser la gueule. Vous avez faim? Est-ce que... ça va. Ah sinon vous avez un hélicoptère? Ah ouais, mais pas pour moi. Je suis pas habilité. Et je suis mal habillé pour ça. Ouais, c'est votre jour de chance, je vais vous sortir la sirène. Sinon, je prends un hélicoptère, on dépose à l'hélipore, je prends un hélicoptère, je vous retourne en prison. Ouais, mais là vous me demandez des trucs compliqués, mon bon monsieur. Là on est quand vous me mettez un peu dans la merde. Parce que sinon, je peux vous mettre dans le coma pendant 24 heures. Ah non! Oh, je vais juste finir ma peine! On va me coucher! Ouais, bizarrement, c'est moi qui m'en donne de la peine! Oui! Mais tu vas la bouger, ta charrue, bordel la queue! Tu vas prendre mon fer neuf dans la gueule! Y'a le police ou pas? On va aller voir! Au fait, moi je vous fais confiance, vous êtes pas armé quand même. Oh bah non, je suis de prison. Ouais, non mais on sait bien, la dentifrice dans le rectum, le pied de biche dans le nez, on vous connaît hein.
Bien le bonjour au représentant de la loi. Est-ce que t'as des collègues de présent? Oh, y'a personne. Toujours pas. Donc non, toujours pas faim, toujours pas soif. Bon bec. Ah bah si, j'ai faim, j'ai soif. J'ai plus rien, j'ai été ramené par l'unité X. Ah oui, d'accord. Alors, ça me fait un peu chier, mais bon, moi j'irai pas en prison. Voici mon menu Big Mac. Hein. Merci, c'est gentil. Ouais, tu me laisses les cornichons? Ah non, je les prends les cornichons, j'aime bien. Oh putain, c'est qui? Oh, c'est qui? Ah oui, d'accord. Ça a changé la tenue. Bonsoir, messieurs. Bien le bonsoir. J'ai toujours pété là, je peux plus là. Oh, oui, mais... je vous ai appelé. Ah oui, oui. Ah, mais comment on se retrouve? Et... ah oui, vas-y. Bah, je pense qu'il va mieux vous expliquer l'histoire de son évasion exceptionnelle et qu'il a envie de retourner en prison, quoi. Oh putain, non. Encore? Mais. Non, moi. On vous y amenez il y a moins de 2 heures. Non, moi, c'est bon là. Moi, non, la mais. Police, Vous êtes non, libre, mais... vous êtes non, libre. Non, vraiment, non, vous non, êtes libre. Non, c'est pas ça, je vous explique, d'accord? Il est pousse au téléphone. Je le fais avec l'accent pour le côté estival et folklore. Il est pousse au téléphone. D'accord? Je ne peux plus appeler, je vais tout bip. Ah oui, d'accord. Le problème, c'est que je me suis fait tabasser, je ploue de téléphone. Et pourquoi vous n'allez pas chez Ginette? Donc, vous voulez qu'on vous accompagne pour en acheter un? Non, je voulais qu'on m'accompagne en prison, pour finir ma peine. Au secours. J'ai été ramené par les unités. Je crois savoir c'est pour qui la peine, hein. Je vous ai contacté, pas un médecin pour nous soigner, nous, parce qu'on vient de sortir d'une bagarre aussi. Et, ah non, mais non, il est déjà soigné, il est tout frais, mais. Je vous ai contacté et vous n'avez pas l'info disponible. Ouais, bah en fait, disons qu'on était sur des gens qui s'échappaient aussi, mais c'était pas des prisonniers, c'est compliqué. Et là, je vous cache pas que. Attendez. Vous avez l'air mal en point, hein. Ah, j'en peux plus, putain, sauvez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Sortez-moi de cette merde. Alors, un petit hématome par ici, un petit hématome par là. Ah, je bois un coup, les gens. Laissez-moi regarder un petit peu ça, moi, être sympathique. Alors, attention, là, ce que je fais, c'est médical, hein, pour ces trucs bizarres. Je sais, c'est la palpation testiculaire. Ouais. On peut voir à travers la matière avec le tétoscope, c'est pratique. C'est incroyable, c'est beau la technologie. Hein. Alors, par contre, pour la petite marque au visage, c'est compliqué. Alors, attendez. Bougez pas, je dois en avoir encore. Voici un tube de pommade, hein, c'est pas de la vaseline, utilisez pas pour les trucs salaces, vous les étalez ça comme une tartine beurrée, et vous en mettez, et en quelques heures ça va partir. Ok, noté. Ok, bon, super. Bon, du coup, vous avez encore accès au... 65-70. Bon. Oui, c'est bon, ça on a accès, c'est juste que c'était compliqué là dernièrement. Puis bon, comme on n'est pas les... Comment? Ouais, et puis on n'est pas les plus expérimentés, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est compliqué. On fait comme on peut. Bon, supérieur est parti également. Ouais, bon, bah voilà, c'est peut-être pour ça que la ville est en train de brûler. Mais bon, y'a pas de soucis. L'absence de supérieur pose souci un peu partout. Monsieur. Sinon, on a un lit à la morgue, mais il va peut-être pas apprécier le monsieur. Léni. Ok, suivez-nous, on va vous accompagner. Oh, excuse-moi juste, messieurs. Tant que je vous tiens. Ouais. Oui. Est-ce que vous pouvez m'indiquer où c'est qu'on passe le permis port d'armes ici? Alors. Est-ce que vous en avez la moindre idée déjà? Disons qu'il faut aller à... Alors, il me semble que c'est l'hôpital, et ensuite, une fois que le diagnostic a été fait, il faut demander au capitaine. En fait, voilà, vous venez, vous prenez rendez-vous avec le docteur Knock, Clox, Knox, enfin... Docteur Cox. Ah oui, Cox. Ouais, c'est lui qui fait les En fait, il est psychologue, il vient voir si vous avez des vélos dans la tête, parce que ça peut faire mal, et si besoin, les enlever. Et après, s'il a dit ok, bah vous revenez ici, et vous faites des tests avec des personnes... comment ils disent quand ils déposent l'autorité là? Compétente. Voilà. Ouais, le capitaine. Et après, quand ils sont d'accord, là, vous aurez votre permis. Bon, désolé, mais on va ramener le prisonnier là. Pas de soucis, allez-y, merci. Bon courage. Je suis content d'aller en prison. Thomas, il serait passage de le moteur. Bon, il a l'air à C'est compliqué la vie de policier. Allez, bonjour.
Bonne journée, messieurs, dames et citoyens. Quel bordel. Ah ouais, d'accord, ça fait joujou avec la sirène. Ah, c'est pas à moi que ça arriverait, hein. Ah non, ça c'est non. J'en suis au niveau carbu, hein, on est bon là. Ah, que veux-tu quand t'as un stéthoscope, les yoku, c'est quand même l'endroit où il faut palper en premier. Hein. Quand même très important toute cette merde. Eh oui, non, il faut regarder l'ambulance dans les yeux. C'est une clé uniquement en ligne droite. Salut Roger. Ah putain, j'ai pas fait ce que je voulais faire finalement. Arrêtez pas toutes ces conneries, bordel, prisonnier pas en prison qui veut y retourner. Ah pardon. Oh putain, le pare-brise! Et toi, tu vas bien? Allez, tu la bouges, ta friandise! Putain, ça me casse les couilles. On est à Los Santos et il y a quand même plus de feux rouges que de putes. Ah, peut-être le métro. Alors, merci Hector Studio, merci beaucoup. Et salut Dreamway. En fait, je me rends compte que j'ai indiqué la magie d'un coup, on ne prend plus la voix. Putain, la pharmacie juste à côté. Ouais, ça va, me jugez pas. Ouais, ouais, bah tu vas calmer toi, sinon tu vas porter qu'est-ce que je vais en faire. Tu connais le fer numéro 9. Pardon me. Ah oui, excusez-moi, je pensais que vous en aviez un peu marre d'avoir du folklore, excuse-moi Dreamouille.
Ouais, la dernière fois dans le camion, on a mis des feuilles extra larges, on s'est roulé des pétards géants. De quoi planer jusqu'à la Jamaïque. Ça freine bien quand même ces machins. Bon, on sent quand même que c'est déjà en train de me casser les couilles, le coup des feux rouges, et que d'un coup, va y avoir un petit coup de pimpon directement pour passer tout ça. Ouais, ouais, ça valait le coup. Ouais, c'est complètement vulgaire, franchement, si t'étais dans mon... Si t'étais avec moi dans le camion, je t'aurais déjà arraché les reins, t'inquiète pas, espèce de petit salopard. Hi. Non mais plus relou, on peut pas faire quand même, parce qu'il y a 48 feux en une seule ligne droite, en à peine 100 mètres, et ils durent tous 50 secondes. Ouais, ouais, c'est ça, bouge. Un petit dernier pour la route, ça va pas de mal. Et celui-là, on va le faire à réglo. Ah oui, d'accord. Ah ouais, non mais il y a vraiment personne avec qui le bordel. Putain, c'est fou, je suis juste j'ai juste fait à peine 4 mètres, je suis déjà essoufflé, quel bordel de merde. Ah oui, d'accord. Eh ben, c'est pratique. Comment ça, j'ai pas de billets sur moi? Donc 13 000 $, c'est rien pour toi, espèce de connard. Peut-être pas les moins forts, y'a des voisins. Ah oui, c'est avec Yana à l'intérieur. Ouais, ouais, ouvrez, c'est la médecine. Ah bien, le bonjour, citoyen. Ah, je... Bah attends, attends, je te rappelle, Didier. Ah, veuillez m'excuser de cette interruption téléphonique.
Non, y a pas de soucis, monsieur. En quoi puis-je vous aider ? J'aimerais savoir si vous êtes fourni en termes de protection sécuelle. Oh, je peux regarder ça tout de suite, mais il ne me semble pas, monsieur. Ah non, parce qu'on sait ce qui se passe ici. Il y a les cocktails à foison et tout ça, et d'un coup ça fait bim bim entre les fesses et tout. C'est compliqué. Ah, oh, monsieur, ça ne va pas jusque-là, enfin, et surtout pas dans le bar, on se respecte. Ah oui, bah j'espère bien, continuer à le respect, c'est respectueux. Non, malheureusement, monsieur, il me semble pas que j'ai ça pour vous, hein. Ah non, non, c'est pas mais pour moi, c'est justement, je fais de la prévention en ce moment, on a quelques petits soucis. Donc pour commencer, voici, voilà, je vous en donne 5, c'est juste un échantillon, et si vous en voulez plus, vous nous demandez, hein. Ah, ok, d'accord. Voilà, n'hésitez pas à donner... De ce côté. Ah oui, voilà... Donnez ça aux clients, ceux qui vous semblent un peu... Bah disons ceux qui aiment le zouk, hein. Ok, ça me va complètement. Voilà. Et si vous avez besoin, allez bourrer, vous les mettez dehors, nous on les récupérera, hein, quand même. On va pas se chercher non plus. Je peux avoir votre nom avant que vous partiez Bien évidemment, excusez-moi de cette infâme traîtrise de ma part. Je m'appelle Titouan Martineau. Oh, enchanté Titouan. Je m'appelle Kiddy, moi je travaille ici. Enfin, pour le moment en tout cas, on verra si ça va durer, mais... Ah oui, d'accord, ça fait longtemps que vous êtes dans la cocktail. Ouais, ça fait 3 jours que je travaille ici, et je vous avoue que bon, on commence à en avoir un petit peu marre, mais on verra. Bah j'ai pas vu beaucoup de soirées encore, pas beaucoup de papotins qui se trémoussent par là-bas. Ouais, il y en a eu une hier, mais je vous avoue que depuis ce jour-là, bon, ça a été un peu plus calme, quoi. Ah oui, d'accord. Mais bon, on verra, je pense que ce week-end nous réserve plein de surprises, monsieur, on a le temps. Ah oui, d'accord, j'ai lu entre les lignes, vous êtes reçu bien 5 sur 5, nous allons avoir du taf. Ah oui, d'accord. Et ouais, voilà, c'est un peu ce que j'essaie de vous dire, oui. Ah oui, d'accord, bon bah je vous ramènerai également des éthylotests dans ces cas-là. Ça va, on en a quelques-uns, mais on en a vraiment pas beaucoup. Donc, pouvez-vous me parler de cette blessure que vous êtes fait au bras ? Vous avez besoin d'aide ? Je crois que c'est un problème avec vos yeux, monsieur. Je n'ai pas de blessure, mais vous pouvez regarder si jamais. Hein. Ah oui, d'accord. Alors, je vais me laver les yeux dans ces cas-là. Par contre, la casquette, évitez au bout d'un moment parce que je sens que vous manquez de créatinine dans le sang avec le soleil. Voilà. Mais prenez. Là, regardez, je vous fais plaisir. Non, mais prenez cette bouteille d'eau et vous allez me faire plaisir de boire un coup. Vous êtes blanc comme un cul, là, c'est dégueulasse. Merci beaucoup, monsieur. Bon, sur ce, vous n'hésitez pas en tout cas. Enfin, uniquement si vous avez besoin, parce que sinon, après, on n'en sent plus. Hein. Vous êtes au service médical ou où est-ce que je peux vous joindre ? Affirmatif, vous appelez les médecins et on répondra présent. Ah, d'accord, ok. Parfait. Sur ce, je vous souhaite une bonne et agréable journée, citoyen. Eh bien, à vous aussi, monsieur Titouan. Bonne journée. Bonne journée à vous, ouais. Et finalement, j'ai pas pu faire ce que je voulais. À la base, j'ai besoin de billets pour les mettre dans l'appartement histoire de racheter un truc un peu plus grand, quand même. Et d'être en train de dormir. Cache d'une banque Fleca en cours. Ouais. Moi je veux bien. Et on fait quoi ? J'y vais avec mon scalpel et mon couteau. Petit tour pour les collègues présents. Et bah, bonne nuit à toi.
si quand j'arrive à l'hôpital, personne n'a été voir, je vais y aller un petit coup quand même. C'est relativement calme quand même, c'est plutôt cool. Si Didi y est déjà. Dis-toi, pour Trault, est-ce que t'as besoin d'aide? Ah oui, d'accord. Et dans la merde. Ça pue un peu cette histoire quand même, hein. Bonjour messieurs dames, il paraît qu'on a besoin d'aide par ici. Problème de soins. Quelqu'un est mal en point. J'aimerais un peu de... voilà. Hi there. Hi there. On va aller voir vers le fond. Permettez. Ah oui, bordel. Oh. Ah oui, bonjour. Et qu'est-ce que vous faites, mon petit monsieur? Ah oui, d'accord. Alors, attendez, excusez-moi. Ah oui, mais... ouais, oui, d'accord. Vous êtes mort dans des conditions un peu désastreuses quand même, mon petit monsieur. Hein. Ah non, ça sert à rien d'appeler ta mère, hein. C'est pas elle qui va venir te soigner. Ah, ça va mieux. Eh bien, le bonjour à mon petit monsieur. Oh là là, mais vous êtes dans un... Asseyez-vous de suite. Ah là là, mettez-vous là. Il y a une petite chaise. Non, mais là, vous êtes dans un état lamentable, là. C'est quoi, c'est... Ouais, j'ai massacré la chaise. Ah, c'est niffé. Ah, asseyez-vous par terre dans ces cas. Ouais, bon, d'accord. Ah oui, mais dans le dos aussi. Ah bah oui, restez comme ça. Oui. Ah oui. Ah oui, d'accord. On a perdu tout sens au niveau du cou, hein. Bon. Alors ne bougez pas dans ces cas-là, ça risque de picoter un petit peu. Ouais, j'essaie de voir si vous avez pas d'autres merdes à l'intérieur. Apparemment non, tout va bien. Pas d'alcool, pas de drogue, monsieur. Excusez-moi, l'SPD, est-ce que vous me recevez? Ça. Boum, boum, et... Affirmatif, j'écoute. Vous êtes pas la LSPD, vous, monsieur? Vous êtes la LSM. Vous mettez rien, vous mettez rien. Ah, excusez-moi. La police, j'écoute.
Ouais, on doit pas d'endroit que j'ai une banque là, je viens d'arriver, c'est réglé. Non, là on est sur un autre projet là, on en a trop là. Eh bien, okay, okay, bonjour. Non, je parlais de Titouan, le monsieur au masque, je vous ai déjà vu et vous avez tapé mon ami d'ailleurs. Je ne vous connais pas. Ouais, faites attention. Je suis un super héros, pourquoi j'aurais fait ça? Ouais, moi je me souviens de quand vous l'avez fait. Hein. Doberman, le chien justicier. Ah oui, d'accord. Et donc un chien, c'est une gueule de smiley qui pleure. Par contre, va falloir faire quelque chose pour cette incontinence, parce que là, je repère le contenu d'une couche, et là, c'est pas beau à voir quand même, monsieur. Vous pouvez réparer ? Ah, l'incontinence, ça va falloir passer à l'hôpital pour cela. Ah non, j'ai pas le temps. Ah oui, d'accord. Je suis un super héros. Ah oui, alors attendez, que je vous soigne quand même un minimum, parce que là, vous êtes dans un état un peu lamentable. Mais c'est encore vous ? Désolé, mais j'empruntais de l'argent juste là. Ouais, je vois double. Et qu'est-ce que vous avez comme problème quand vous empruntiez de l'argent ? Une explosion ? Un flash ? Eh oui, d'accord. Vous en empruntez combien? J'allais emprunter, et boum, explosion. Oui, même ça, vous avez réussi, vous avez raté? Oui. Vous êtes un peu pitoyable quand même comme braqueur, faudrait peut-être changer de métier. Ah mais c'est un braqueur! Non, mais on a été appelé sur un braquage quand même, je sais pas si t'as remarqué. Braquage? Non. J'ai emprunté. Regarde-le, il a un masque, il a un sac, ah bah évidemment c'est un braqueur là. Emprunté quand même dans le coffre directement. Moi tout à l'heure j'ai retiré ça. Mais je suis super héros, je suis super héros. Arrête de nous prendre pour des cons. Bah fouillez-moi, si vous voulez. Tu veux que j'appelle la police, c'est ça? Pas de soucis, je peux. Allez-y, vous touchez. Ah, ça c'est une spécialité si vous voulez, mais avec moi tu vas pas apprécier mon coco. Qu'est-ce que vous faites? Je vois que vous avez quand même beaucoup sur vous, monsieur. Ouais, c'est des liquidités, super héros. Ah, si vous voulez, j'ai les infos sur quand la police arrive. Venez avec moi, monsieur. Allons-y. Vous avez pas une autre appel? Si toi, on a un autre appel, est-ce que tu veux le prendre? Vas-y, je m'en occupe. Mais j'ai un droit ici, hein. Ah oui, d'accord. Ne vous inquiétez pas, je suis un super-héros, je sais ce que je fais. Ouais, non, bien sûr, attendez, on en discute, monsieur, on en discute. C'est bon, c'est pris, j'y vais. Ouais, je me doute, vous êtes venu sur le braquage, c'est ça? Ouais, il est où votre ami, là, peut-être? J'aurais bien la télégueule quand même à coup de fer de neuf. Justicier de mes couilles. La racaille. Hey, I wish you'd catch up over a round of Ah oui, mais il est tombé le con. Alors mon bon, bien bonjour, qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi? Attendez, vous venez du haut là? Oh putain. Appelle Mysterio. Bah garde le mystère mon coco, mais là je pense avoir deviné ce qui s'est passé, t'es pas un super héros toi. Bah on t'a jamais dit que c'est compliqué? Membre des unités d'élite des ganglions. Mon vaisseau s'est écrasé ici lors de la mission Kryptonite volume 2. Ouais, les ganglions, je connais bien. Je défends la galaxie contre la menace de l'invasion. Alors, vous ne bougez pas. Extraterrestre, électronique, moldu et doux. Ouais, je crois. Des meilleurs Avengers. Ouais, je pense que c'est irréparable. Bon, il faudra peut-être mieux de finir sa vie. Je suis le meilleur Avengers. Ouais, forcément, à cette heure-ci, on commence à sentir les effets de la drogue. Alors surtout, ne bougez pas, je vais d'abord... Hop, venez avec moi, on va déjà vous écarter un peu.
Je vais vous mettre derrière le véhicule parce que sinon, s'il y a un suraccident, on va être dans la merde. Est-ce que vous pouvez vous asseoir, vous allonger, monsieur? Ouais, ouais, vas-y, dégueule sur mes chaussures, tu vas voir. Tu vas voir si, comment je vais te soigner, toi. J'ai un peu de dans l'oreille. Non, mais putain, mais t'as pris quoi, toi? T'es défoncé à la poudre lunaire. Passe-moi une goutte de sang, de toute façon, il y a ce qu'il faut à peu près partout là-dedans. Et t'as rien pris, t'es défoncé comme ça. Ah oui, d'accord. Bon bah écoute... Merci. Merci beaucoup. Non, attends. Viens par là, toi. J'ai mes ailes. Je peux enrouler. Ah oui, attends, si j'ouvre, hein, ça peut être mieux. Quel bordel. Je vais m'envoler, Manu. Ah ouais, ouais, tu vas... Vas-y, viens. Est-ce que tu peux venir, hein? Ouais, bon bah finalement le matériel il fonctionne encore moins que le reste. Bouge pas, on va faire ça à l'ancienne. Merci. Mes ailes, je les sens repousser, mes ailes. Je sens mes ailes repousser. Ah oui, d'accord. Mes ailes, elles repoussent. Ah sinon, si je te finis au fer numéro 9, tu vas comprendre que t'as pas des petits cons. Oh, merci. Ah ouais, d'accord, ah ouais, moi je me casse alors dans ces cas, démerdez-vous, hein. Hop, hop. Eh, toi, tu bouges pas, petit con. Lâche-moi ça. Eh, il te dit bâtard, il te fracasse. Non, mais tu vas me prendre aussi pour un con, espèce de tutut en rose. Merci. Allez, demain, maintenant, ça va bien. Merci, monsieur le médecin, vous êtes incroyable. Merci, petit con. Merci, petit con. Arrête, pareil, juste après, alors. Ah oui, d'accord. Ouais, finalement, c'est peut-être moi qui ai pris un peu de poudre lunaire. Il sait plus quoi inventer pour s'amuser, les gosses, putain. Dis-toi, pour les collègues, on a mis de la mixture chelou maintenant dans le pack de soins, parce qu'ils sont tous défoncés ce soir. Comment ça, de la mixture chelou? Qu'est-ce qui se passe? Ah mais c'est normal qu'on a une ribambelle de super-héros dégueulasse qui saute des ponts et qui braque des banques. Ah mais t'as soigné l'autre super-héros? Ah c'est deux, ils sont un peu dérangés les deux, t'inquiète pas, fais avec. Ils racontent un petit peu beaucoup de merde et ils sont un petit peu perdus dans leur tête, mais le Dr Cox les a vus tout à l'heure. Ah bah ouais là, des patients comme ça tu peux les garder 2 ans en les voyant toutes les semaines. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a sauté d'un pont là, ce con. Ah, j'arrive pas encore à savoir si c'est volontaire ou pas, parce que la voiture est quand même sur le pont, mais pas le mec. Et tu l'as trouvé ou pas? Ah oui, après celui que toi t'as soigné, il est revenu, il a commencé à dire t'es mon copain, il sortit une batte de baseball et l'enculé, donc c'est quand même chelou tout ça. Dans des petits délires BDSM, je t'ai croisé avec un mec chelou tout à l'heure, c'est normal. Ouais. Enfin normal. Non, c'est pas normal, mais par avec. Ouais, bah qu'il fasse gaffe la prochaine fois, tu vas voir la kryptonite au fer neuf de golf, je vais te la régler. On n'est pas là pour dénoncer les pratiques des collègues. C'est dégueulasse quand même. De toute façon, je savais que le travail de nuit, c'était se faire mettre. J'ai pas de mytho, c'est moins pire qu'hier, t'as du bol, hein. T'as débarqué le bonjour. Ah ouais, d'accord, on sait accueillir ici. Qui aura pas ça tous les soirs quand même, la ribambelle.
Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qu'elle a fait, la sœurette? Ouais, mon Titou. Ah ouais, bah, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, écoute, je sais pas, je suis allé. J'ai eu une mission en taxi, tu vois. Et j'ai dû aller chercher un mec, un certain Miguel. Et en fait, je l'ai ramené chez lui. Et il m'a payé 2 500 $ pour la course. Et maintenant, bah, j'ai 100 pochons de weed dans mon coffre, quoi. Ah oui, d'accord. Et en fait, je peux pas mettre la voiture au garage tant que j'ai pas vidé les pochons de weed. Et j'ai trop de choses dans mes poches, du coup j'ai besoin d'aide pour venir amener les pochons de weed à la maison. Tu veux pas plutôt qu'on t'en débarrasse? Bah, je suis supposé tout vendre avant demain soir. Sinon, j'aurai des problèmes avec les Vorgas ou les Vargas ou je sais pas quoi. Ah oui, d'accord. Et du coup, je me disais que peut-être je pourrais passer par toi. Ah oui, d'accord. Disons que j'ai beaucoup les flics quand même en ce moment. Ouais, bah peut-être que tu vois, tu pourrais passer à tes clients qui ont l'air un peu camés ou quoi, et tu leur proposes un peu de weed pour les calmer, tu vois, tu leur dis que c'est médicinal. Ah oui, d'accord. Sinon tu veux pas leur rendre directement? Comment ça? Bah au Vagas, à la chiasse là, je sais pas quoi, tu veux pas leur rendre directement leur merde? Bah non, il avait l'air, il fait un peu peur le mec. Ah oui, d'accord. Allez, dis tout, aide-moi. En gros, tu leur dois combien? Bah, ça, je sais pas. Ah, tu sais pas combien ça chiffre? Non. Ah oui. Je sais que j'ai 100 pochons de weed, mais je me dis que peut-être si je me fais embaucher demain par Bobby Bobbers, il me dira ce que c'est les montants. Alors attends, ils te donnent des trucs, ils te disent pas quoi en faire et tout ça, et après ils te disent que t'es dans la merde, c'est quoi ce truc de con? Et je lui ai demandé quoi en faire, et il m'a dit bah tu les vends. Et en fait il parle pas très bien français en plus, alors j'ai pas tout compris. Mais il m'a dit bah tu les vends, et puis après tu passes au kebab pour rendre l'argent propre, et puis après tu viens nous voir et tu nous dis combien, et nous on te donne l'argent. De l'argent que tu peux utiliser, que tu peux dépenser. Ah oui, d'accord. Voilà. Sinon, non, j'ai pas de copains au Mexique. Non, parce que 100, c'est quand même pas aisé à dégager. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, je me suis peut-être un peu mis dans... Ouais, dans la merde. Dans la mélasse, ah, ouais, la méga merde. Ok. Bon bah écoute, là je vais à la maison, je vais les transporter 10 par 10. Mais enfin en tout cas je vais avoir besoin de ton aide pour les écouler. Hein. Je prends une petite fin de service et j'arrive. On va en discuter calmement face à face. Ok, ça marche. Merci. Rendez-vous à la maison et fais pas de conneries, bordel de merde. Titouan pour les collègues, pause plus ou moins longue. Ouais, Titouan, moi je vais arrêter aussi dans tous les cas, hein, donc les gens vont se démerder. Ok, dans ces cas-là, j'en prendrai peut-être un peu plus tard, mais on verra après la sieste. Ouais, pareil, à plus tard, Titouan. Bonne nuit à toi. Ça y est, ça commence à être un peu la merde. Comment je suis censé me débarrasser d'autant de trucs de merde? Et à qui?
Mais de quoi il parle? Mon appel, quel appel? Vas-y, bouge-toi. Commence pas à me casser là en haut, c'est pas le moment. Hein. Ah oui, toujours en ligne droite, faut regarder la tuture. Quel bordel! Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Eh ben, ça se passe, là, je viens d'arriver chez moi, là. Non, là, j'en parle avec mon frère, justement. Ok. D'accord, super, Miguel. Bon, il m'a demandé si j'avais commencé à vendre. Il me met la pression. Ah oui, d'accord. Tu sais c'est qui exactement ce Magal c'est le numéro 2 de des Vargas là ou des Vargas. Ah oui, d'accord. Putain. Est-ce qu'il y a une autre équipe concurrente? Je crois oui, les Families. Ouais, bizarrement j'entends plus parler d'une que de l'autre. Est-ce que j'essaie de revendre aux Families? Ah, je vais supposer qu'il faut même leur beurre de leur côté quand même. Ah, je vais demander à Miguel combien il attend d'argent. Tu m'excuses, faut que je graille quand même. Mais alors quand t'as fait VTC, c'était pour Boppers? C'était pour moi. Ah oui, d'accord. Enfin, c'était mon métier, quoi. Alors, du coup, j'ajoute un contact. Miguel. Je vais l'appeler Mimi. Comme ça, si jamais on voit dans mon téléphone, on saura pas que je le connais. Ah oui, d'accord.
Mais t'as hâte de toucher mes fesses là ? On est frères et sœurs, je te rappelle. Hein. Ouais, justement, ça veut dire que je peux fouvoir si t'as rien d'illicite. Moi, ça dérange pas. Bon, je vais pas te mentir, on est quand même sacrément dans la merde. Combien je dois lui ramener? J'ai pensé à plusieurs solutions. Certaines vont, tu vas pas apprécier, hein, Sorette. T'es prête à quoi, ma petite Vava? Tu veux mener quoi comme vie? Moi, ça me va de mener une vie de crime. De toute façon, je sais qu'avec Bobbers, on va mener une vie de crime. Ah oui, d'accord. Mais imaginons, Bobbers, il est pas content. Ils te prennent pas à cause de ça. Alors il me dit, les premiers c'est cadeau, tu me ramènes les sous et je change tout en pognon propre. Les prochains, je prends 20%. Ouais mais ça veut pas dire... C'est ridicule, je lui achète pas, il me donne quelque chose, je les revends et il prend que 20%. Bah oui, c'est toi qui prends tous les risques. Oui mais ils ont aucune notion du business, c'est pas comme ça que ça marche. Moi je devrais acheter sa cam. Oui, mais sauf que là, tu peux pas te défiler, même si t'as eu un tarif préférentiel. Sinon, ils vont te faire tac-tac-bam dans la gueule. Alors, écoute, soit on tente vraiment de vendre ce que d'ici demain. Nous, on n'est pas habitués, donc c'est la merde. Il m'a dit demain soir tard, il m'a dit. Ouais, non, mais même, t'as jamais vendu, j'ai jamais vendu, donc c'est quand même pas évident. Mais on peut peut-être essayer de trouver des mecs de Family. Soit dans ces cas-là, on tente avec Family's voir ce qu'ils en pensent et ça peut mal tourner. Mais toi, t'es médecin, tu peux vendre ça thérapeutiquement. Oui, sauf qu'apparemment, on a potentiellement une taupe chez nous. On a une taupe des Vargas et une taupe des flics potentiellement dans l'hôpital. Et j'ai aucune information sur qui. Pas aux autres médecins, aux gens. Ah oui, mais faut vraiment qu'il y ait personne, donc ça va ralentir mon train. Après, une taupe des Vargas, c'est pas grave. Oui, c'est pas la peine. C'est pas grave. Enfin, j'espère en tout cas qu'elle ait des Vargas, mais. Oh là là, je suis désolé, hein, mais bon, moi je le sais, je me suis dit c'est de l'argent facile et il m'a dit qu'il allait acheter tous mes diamants. Ah oui, d'accord. L'autre possibilité. L'autre possibilité, mais ça va te fermer des portes, ça va être. C'est un coup de filet avec la police. C'est eux qui avancent l'argent. Et Varias, il va juste se retrouver en prison et puis il va en sortir et puis il va me tuer, quoi. Moi, là, je suis allé le chercher, c'était à la sortie de prison. Il m'a dit qu'il s'était échappé 4 fois de prison. Une fois en Ouloukoupter, une fois avec Loupel, une fois avec le scalpel et une fois avec j'ai pas compris. Il ressemblait à quoi là ton mec? Il était habillé en jaune et avec une chemise jaune. Ah oui d'accord. Et il parlait loup comme ça. Loup portugais. Ah ouais non je n'ai pas vu celui-là. On a eu quelques énergumènes ce soir mais pas dans ce style-là. T'as eu des énergumènes qui achèteraient de la weed? Ah non, ils étaient déjà pétés du cibolo, on était déjà plutôt sur les 15 grammes par litre de sang, ils étaient complètement overdosés, c'était con. Bah c'est bien ça, on peut prendre... je les ai testés, ils étaient clean de A à Z, ils sont juste flingués du cibolo de nature. Ouais mais c'est facile à manipuler. Tu te souviens de Tata Jackie? Pourquoi t'es petit comme ça là? Mais c'est toi qui as des talons, commence pas à me faire chier, sinon tu vas voir si mon fer neuf il est petit, t'attends dans les gueules. Bon, moi là je suis fatigué du tout, je vais aller me coucher, on réglera cette affaire demain de... T'as le nom de quelqu'un de la famille Lise? Un numéro? Non, je t'avoue, je connais plus les Vargas. Un numéro de Family's? Ouais, non. Attends, parce que c'est qui les Family's? Les Family's, je crois, c'est... C'est qui? C'est des gros bonnets, non? J'en ai aucune idée. Ça fait une seule journée qu'on est là. Hein. C'est quand même compliqué, bordel de merde. Ah, je sais pas. Bon bah... Oh putain! On pourra,
pour avoir tout ça demain. Mais non, mais t'énerve pas, Tito, t'énerve pas. On voit ça demain et j'ai un petit moment d'absence. Je trouve ça demain. Tu crois vachement que c'est le moment de faire du moonwalk? On verra ça demain, Tito. On verra ça demain et ça se passera bien, ok? Ouais. Je me suis fait un tatouage de gang aujourd'hui. Ah oui, d'accord. Et que dirait maman? Eh ben, elle serait fière que j'essaie de trouver de l'argent et puis après, je pourrais acheter une meilleure voiture et du coup pouvoir aller chercher des clients. Et tu crois quoi que c'est en vendant de la drogue que j'ai un mulet aussi doux et aussi long? Ouais. Ça ou en jouant du banjo, quoi. Exactement, la musique, et ça devrait. Bon, allez, Tito, moi je vais me coucher. Bon, hein. J'essaie de voir si je trouve des solutions, mais ça va être la galère. Non, t'as vu, j'ai suspendu le lit, je trouvais que c'était un peu stylé, tu vois ça. Ouais, mais la prochaine fois, mets des cordes ou des vérins qui se voient, parce que là, franchement, ça fait juste flipper quand même, hein. Ça fait un peu exorciste. Ça marche. Bon, bah, allez. Bonne nuit, Vava, des bisous. Rêve pas trop de ton oreille. Putain, quel bordel de merde. J'aurais dû sortir au garage directement. Qu'est-ce qui se passe? T'as pas mec, ma démarche, c'est parce que je suis gros, alors fais attention à toi quand même, sinon je pourrais t'arracher la perruque que t'as sur la tête. Espèce de petit saligo. Peut-être penser à changer quand même ce cercueil ambulant. On est quand même pas sur le grand luxe. Ah, c'est quand même un peu dégueu. Ah oui, d'accord, ça me rappelle tonton Eric. Oh, les prix. Ah, ça va titiller la rotule.
Ah ouais. Il y a de l'idée dans la rouille. Bah moi qui voulais une voiture Toy Story, on est bon là. Dans le début, il y en avait certaines qui me plaisaient quand même pas mal. Ouais, un petit Bordeaux. Merde, désolé, j'ai pas regardé votre avis, c'est un peu tard du coup. Je prendrai une plus fâchie plus tard, mais déjà j'échange l'épave de merde. Étonnant que j'ai eu plus aucun appel de détresse. Déjà au moins c'est que les super-héros ils ont dégagé. Ah oui d'accord. J'aurais eu un peu de temps, j'aurais fait un test d'alcoolémie pour se trouver du cul quand même. On est pas loin du tout inégal. Hein. Ouais, je la charcute un peu, c'est pour la reprise, pour qu'elle paraisse bien vieille. Enfin, plus qu'à l'accoutumée. Ah ouais non, c'est pas ce qui était prévu par contre, absolument pas, je me fais un peu... Ah oui d'accord. Ah ouais par contre le... Ah oui j'aime ça. Ah ouais, alors attendez. C'est la meilleure voiture. Ah tu sens quand même, elle tourne au carbu elle là, c'est pas une fiatasse d'injection. Ah puis elle vrombie, on dirait vraiment qu'on a mis une carte comme dans les roues des vélos quand on était gosse. Ah putain j'adore. Ah ouais là d'un coup je respecte plus rien mais j'en ai plus envie. Hein.
moi qui pensais pas avoir un orgasme aussi facilement. Comment ça a vécu l'armée? Ok. Ah ouais, d'accord. C'est dégueulasse. Je découvre, calmez-vous de suite. Déjà dégagé à cette merde. Ah ouais, mais c'est plus chromé là. Ah, je suis désolé, un grand moment de streaming là, mais bon. Ah oui, d'accord, c'est pas du tout. C'est pratique pour conduire. Rappelle à tonton Jackie Ranch. C'est bien, on a progressé. Ah oui, non, mais ça coûte pas cher, des morceaux de métaux complets, coûte que dalle apparemment. Ça, c'est pratique, c'est quand même 50 balles, l'impression qu'on a été à l'heure à Merlin les acheter. Ah oui, d'accord. Alors attendez, on va dégager la première quand même parce qu'elle est un peu dégueulasse. On va faire un petit côté Starsky Edge quand même. Ah ouais, d'accord. Moi je dis c'est parfait. Ah ouais, mais non. Los Santos, nous, quand même. Faut pas déconner. Allez, on retourne au boulot, quand même. Je savais bien qu'ici, ça aimait le tuning, hein, de toute façon.
Là, on commence à se sentir bien. Là, ça va bien. Toi, t'es alcoolisé. Peut-être se calmer parce qu'on a quand même les flics à moins d'un kilomètre. Vous l'entendez là, mal. Là, c'est ma voiture qui queen, là, quand même. Elle aimerait bien avoir un petit peu plus de push, c'est compliqué. Bon, où est-ce que je peux trouver... Ah oui, je sais ce que je vais faire. Faire un petit détour. Ah, c'est quand vous voulez par contre que vous passez au vert, putain de feu de merde. Hey, nice ride. Allez, bouge ton fion. Ouais, on va aller voir. Sinon, on va aller scorer et faire dodo quand même. Morphée, ça peut être sympathique. On verra demain s'il y a des trucs un peu plus passionnants quand même. Bien le bonjour, est-ce que tout se passe bien par ici? Ouais, moi aussi, j'adore la Macarena. Bon bah très bien, merci beaucoup pour votre réponse. Très agréable de votre part. Bon bah petit tour dans ces cas-là, au niveau des urgences et s'il n'y a rien, on va aller se coucher quand même, histoire de réfléchir à tout ça, de comment sauver la sœurette. Ça s'appelle Donetsu. Yeah.
Ouais, ouais, j'ai rien vu. D'accord. Bonjour madame. Tais-toi pour les collègues, il y a besoin d'aide. Bizarre. Tais-toi pour ceux qui viennent de partir en intervention, il y a besoin d'aide. Ça veut dire qu'il y a qui veille quand même, hein. On a l'impression de se croire au Texas et d'un coup les ambulances qui partent sans prévenir les collègues. Franchement ça se sait pas. Ouais, Macarena aussi, calme-toi aussi, le ticket ta race. Pourtant on a 5 ambulances, 4 camions de pompiers et 2 SUV. D'ailleurs, on va voir à quoi il ressemble. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, forcément. Fallait bien se douter qu'il y avait un coup dans le pâté. Mais c'est plutôt cool. Ouais, Macarena, Jérémy, calme-toi. Ah ouais, non mais c'est ici qu'on enferme. Ah oui, d'accord. Ah, c'est le premier jour, faut bien fouiller un peu. Hein. Bon, excusez-moi, vous entendez plus rien, c'est un peu normal. Ouais, le cadavre il s'est barré forcément. Bon, on est quand même sur de l'emmerdement. Là, on essaie de trifouiller un peu ce qui se passe, mais. En fait, je parle à la radio, mais elle est bien connectée. Ouais, elle est bien connectée. Bon, salut ta fiole, moi c'est à fin de journée quand même, peut-être aller me coucher. Ah ouais, d'accord.
moteur comme ça, un carburateur, ça te demande qu'à vomir. Devant moi, et là, qu'est-ce que je regarde du con? Faire dodo ici, hein. Voilà. Tu parles au Diabalzan, stream pas, moi, si c'est ça que tu. La question qui allait être juste après. Plus simple écrit comme ça. Ouais, ce que vous savez pas, c'est que moi cette voix je la tiens depuis 14 heures. J'ai eu une petite pause de 3 heures quand même, mais entre temps, mais bon. Quel bordel. Merci beaucoup pour ceux qui sont venus. Désolé, hein, je n'ai pas remercié tout le monde pour ceux qui ont follow la chaîne. Je vous souhaite une bonne agréable nuit et ce sera sûrement à demain pour la suite. Je risque de streamer régulièrement sur les 2 semaines d'ouverture du serveur. Après, je n'existerai plus. Voilà. Des bisous.
Thank you.